Manger du poisson chaque semaine permettrait de vivre plus longtemps. Dans le poisson, on trouve notamment de la vitamine B12, indispensable à la fabrication des globules rouges, de la vitamine A, antioxydante, elle améliore aussi la vision nocturne, et de la vitamine D, qui prévient de nombreuses maladies, comme le cancer ou encore la dépression. Et les oméga-3 alors ? Les oméga-3 sont importants pour prévenir les maladies cardiovasculaires, pour prévenir le cancer, pour donner de l'anti-inflammatoire dans notre alimentation, et on les trouve dans les poissons gras. Comme dans le saumon, le maquereau, le hareng ou encore la sardine. Bon ok, le poisson c'est bon pour la santé, alors on peut en manger tous les jours ? Non, certainement pas. Les poissons d'eau douce sont contaminés au PCB. Les poissons d'eau de mer sont contaminés à la fois au PCB et au mercure, qui sont des perturbateurs endocriniens et qui peuvent endommager le cerveau et provoquer des cancers. Je comprends plus rien, moi. Alors, il faut en manger ou pas du poisson ? Il est recommandé de manger du poisson 2 fois par semaine. Alterner les poissons gras et les poissons maigres. Privilégier les petits poissons plutôt que les gros. Comme l'espadon, le thon ou le requin. On conseille aussi d'alterner poissons sauvages et d'élevage. Et tant qu'à bien choisir, éviter les poissons menacés par la pêche intensive.